La gymnastique, c'est un sport artistique. Il faut être attentif à ce que dit l'entraîneur et il y a beaucoup de musculation. Il faut faire beaucoup de musculation pour pouvoir se tenir en l'air. Il faut toujours être concentré, il ne faut jamais avoir l'esprit ailleurs. Enfin, c'est surtout ça, il faut être concentré. Encore la mémoire, quoi. Il y a des mouvements où ouais, notre chorégraphie, il faut avoir de la mémoire, faut s'en rappeler. Pour pouvoir réussir dans la gym, il faut surpasser sa peur et pour arriver au stade plus haut. Quoi. Faut avoir et courage, hein. À un moment donné, il faut se lancer même si ça représente des risques. Steph, pour le dernier saut, on se force à garder longtemps les talons serrés. Et après seulement on déclenche le salto. Très bien. Dans le cheval, la tête elle est encore en avant un petit peu. D'accord ? Faut que tu regardes tes mains en poussant dans ton dos. Et après seulement tu peux déclencher le salto. Bien. Faut gagner 2-3 dixièmes dans la correction au niveau des jambes, là. D'accord ? C'est très difficile, la gym. C'est très difficile, mais par contre, elle amène beaucoup de choses, la gym. Elle amène la sûreté, comment écouter, être discipliné. Et en plus, la gym, pour les enfants qui sont timides, qui sont un peu complexés, c'est ça, la progression qu'ils font là, c'est presque un médicament. Gymnastes qui font partie du club ont quand même un rêve, c'est de devenir un jour une championne, mais ce rêve devient rarement une réalité. Il ne faut pas que ce soit papa, maman qui nous envoie faire de la gym pour faire de la gym de haut niveau. C'est la gymnaste elle-même qui doit prendre la décision, parce que c'est une décision très difficile à prendre. On a beaucoup de joie parce qu'on réussit une certaine performance, mais ça demande beaucoup d'heures de travail. Plus tard, j'aimerais bien faire gagner au moins un titre pour avoir au moins, pour savoir que j'ai réussi quelque chose au moins une fois, tel qu'il soit. Surtout, j'aimerais bien aussi faire des tournois un peu partout. Plus tard, j'aimerais bien gagner un titre, que ce soit championne de France, championne du monde. Je m'en fous et je voudrais réussir déjà, finir ma carrière et. Voilà. Oh, regarde, Eugénie, regarde, c'est celui que j'ai. C'est celui que j'ai. Ouais, c'est dans l'autre page. Si j'avais à choisir un justo, je prendrais celui-là. Ben non, je l'ai déjà. Moi, je prendrais celui-là. Moi, je prendrais celui-là. Moi, je prendrais celui-là aussi. Moi, je prendrais celui-là. Moi, je prendrais celui-là. Bonjour, nous sommes à l'US Retail Gymnastique, gymnase de la Lévrière, rue Ferdinand de Lesseps, 94 000 Créteil, 42 07 65 34. On peut s'inscrire dès l'âge de 5 ans. L'inscription coûte 1000 francs par an. Licence comprise, pour une heure de gymnastique par semaine. Le matériel est entièrement fourni par le club. Vous pouvez venir en short et en t-shirt. Si vous voulez acheter les justes corps, ça coûte entre 100 et 150 francs. Il y a 1453 clubs de gymnastique en France. Si vous voulez savoir l'adresse du club le plus proche de chez vous, adressez-vous à la Fédération française de gymnastique. Cette terre court des petites Zécurie 75 010 Paris, téléphone 48 01 24 48. Vous composez le 36 14 FF Gym, 0 francs 37 la minute. Alors n'hésitez plus, faites comme moi et vous découvrirez les joies de la gymnastique sur agrès.
Bien, on ne peut pas parler du mot gymnastique sans parler de ses origines. Ce mot magique, en fait, vient du grec gymnos, qui voulait dire nu. C'était comme ça que se présentaient les athlètes antiques dans l'arène. Les origines de la vraie gymnastique française se situent au niveau de 1870, où, à l'époque, nous avions subi une défaite contre les Allemands. Le général Chanzy avait dit une citation célèbre, « Faites-nous des hommes, nous en ferons des soldats. » Et les associations s'appelaient la revanche, s'appelaient en avant, la patriote, la nationale. On sentait un esprit de revanche, un esprit d'éducation, de conditions physiques pour remonter le pays. Je porte la tenue actuellement d'un gymnaste de l'époque. On peut considérer que là j'ai le calot, mais ce pouvait être la casquette, ce pouvait être le béret, le képi, le maillot qui pouvait être une chemise en coutil. Dessus, un sautoir. Et sur ce sautoir, on présentait les différents insignes que l'on avait gagnés ou obtenus au cours des fêtes fédérales qui avaient lieu chaque année. Le pantalon qui était un treillis, les guêtres ou les bottines, voilà la tenue du gymnase de l'époque. Et dans chaque village, il y avait une association de gymnastique et il y avait une musique. Alors on voit tout à fait le côté défilé. En fait, ce but militaire excluait carrément les jeunes filles. Il n'y avait pas de mouvement gymnique féminin jusque dans les années 1899 à peu près. Mais l'évolution de la gymnastique féminine, on pourra dire que c'est en même temps l'évolution de la mode de la femme, puisque cette fameuse tenue avec des bas noirs en laine et tout ça a été abandonnée en 1923 à la fête de Monaco. Officiellement, en 1928, elles feront partie, comme les garçons, des Jeux Olympiques à part entière. Là, à titre de concurrente classée. L'amour caoutchouc, pour l'avoir, c'est pas comme du tout. Et le second, elle se détraque. Quel drôle de micmac. Moi, elle me fout le trac. Elle met sa maquille. L'amour caoutchouc, je voudrais bien pouvoir en prendre un bout. Elle est encore couchée, je m'approche, elle est debout. La bombe caoutchouc. Le gymnase où nous sommes ici là, est un gymnase de la fin du 19e siècle, d'ailleurs vers 1900. Et là, la configuration est restée telle qu'elle l'était. On pratiquait la gymnastique soit sur le sol, soit sur des tapis qui étaient que des tapis de confort, mais relatifs, puisque c'était des tapis de coco. Les tremplins étaient des tremplins durs. Les agrès n'étaient pas réglables. Tout était basé pratiquement sur la force, sur les bras. C'était peut-être un peu le défaut du gymnaste de l'époque. Même au sol, où on voit des gymnastes évoluer, en fait, ils sont assez mobiles par rapport à ce qui se pratiquait à l'époque. À l'époque, on faisait des planches, on faisait des appuis sur la tête, mais ce n'était pas mobile. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de notions d'élan, de course et d'acrobatie. Petit à petit, les prouesses individuelles se développent. Et si l'on saute brusquement à la gymnastique d'aujourd'hui, on se rend compte d'une chose qui est très frappante aujourd'hui, c'est qu'au départ, on ne pensait qu'à la gymnastique masculine. Et puis petit à petit, alors que les prouesses des hommes sont aujourd'hui tout à fait extraordinaires, et en particulier tout de même à partir de la Roumaine Nadia Comăneci à Montréal en 1976, mais aussi des Soviétiques depuis 1952, la gymnastique féminine, avec sa grâce, ses prouesses, a pris petit à petit le devant de la scène. On voit ainsi se développer une gymnastique de mouvement d'ensemble et qui petit à petit devient une gymnastique dite artistique, puis la gymnastique sportive de notre temps. We'll be right back.
les quatre chefs pirouettes. Et après, séance de sol. Et puis on verra à la vidéo ce qu'on a fait la semaine dernière par rapport à aujourd'hui. Allez. La barre fixe, bah, c'est un des deux agrès de suspension de la gymnastique. Pour être un bon bariste, comme on dit, bon, il faut déjà vouloir prendre des risques un petit peu, puisqu'on ne peut pas se lancer au-dessus de la barre n'importe comment. Et puis bah, il faut être souple, assez tonique, et avoir de bons repères dans l'espace, surtout pour les sorties et maintenant pour les nouveaux lâchers de barre. Passe par-dessus la barre. Il faut une période de facilement 6 mois, 1 an pour régler un lâcher de barre, alors qu'auparavant, parce que c'est des lâchers de barre en double rotation maintenant, alors qu'avant il n'y avait qu'une seule rotation, et on mettait 2 à 3 mois pour en régler un. Donc maintenant ça va être un petit peu plus difficile. Pour arriver à ce niveau, effectivement, cela ne vient pas du jour au lendemain. C'est un long, long apprentissage, c'est très long. Et le jeune athlète, le jeune gymnaste, le benjamin qui arrive dans un club de gym devra passer par l'apprentissage avant tout débalancer, jusqu'à ce qu'il puisse réaliser le grand tour. Mais le grand tour, il faut que de ces balancés, il puisse franchir la verticale de la barre. Donc déjà au départ, il balance jusqu'à l'horizontale. Ensuite, au niveau de la pédagogie, les entraîneurs soit lui tiennent les mains, soit lui mettent des sangles. Et on l'attache par sécurité à la barre. L'entraîneur l'aide à franchir l'horizontale et ensuite la verticale de la barre. Après, c'est de la répétition, de la répétition. Ça, c'est encore la semaine dernière. Ça, c'est la semaine dernière. Hop. Au ralenti, top. Regarde cette fixation. Ouais. Tu vois, bon, là, t'as amorcé seulement la vrille. Là, t'es, un peu, t'es bien placé, là. Bah, et par rapport à cet après-midi, alors, ça fait... Bah, cet après-midi, il n'y a pas de problème. Tu as, toutes les actions étaient anticipées. Pas de fixation. Ouais, mais il suffit que je sois un petit peu moins en forme et automatiquement, j'ai des jambes qui montent un petit peu plus et la pirouette, elle est décalée. La difficulté à réaliser ces lâchers de barre, c'est tout un travail de préparation dans les grands tours où il faut absolument déformer la barre pour qu'elle puisse donner un temps, un renvoi au gymnaste qui lui donnera la possibilité d'effectuer ce lâcher, cette pirouette en l'air, ce saut périlleux et ensuite la rattraper. Bon, sur le lâcher pirouette, comment tu t'es senti, Katchef pirouette? Dans l'air, pas super bien, mais bon, j'avais la barre dans les mains, je l'ai gardée. Hein. Ouais, parce que tu fixes pas assez dans le Katchef, mais par rapport aux autres, c'était un peu moins brouillon. Et là, c'est, ouais. Ça va, comme ça va. Ben voilà, une paire de mains après une séance de barre fixe, c'est un petit peu arraché. Après le soir, faut bien tout soigner, enlever la corne qui est en trop, et puis... bien repartir pour le lendemain. Voilà. Je m'appelle Patrick Mathioni, je suis ancien gymnaste, athlète de haut niveau et actuellement j'entraîne dans le département de l'Essonne. Alors j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans, un petit peu par hasard. Je ne savais pas trop ce que c'était plus pour moi faire des sauts périlleux, se mettre sur les mains.
Ma première satisfaction, ça a été ma première médaille d'or en compétition. Je devais avoir 6 ou 7 ans à peu près. J'ai remporté le sol. Et puis la satisfaction, c'est de monter sur le podium et d'avoir cette médaille autour du cou qui était le symbole d'une fierté, je ne sais pas, c'est un peu inexplicable. C'est, en plus, la première, quand on est tout petit, ça fait quelque chose de... c'est fort. Je me suis orienté vers le métier d'entraîneur et j'en ai fait ma profession. L'essentiel de mon travail, c'est de détecter des jeunes talents, d'aller chercher des jeunes talents et de les entraîner et ensuite de les faire participer à des compétitions. Donc on commence très jeune, vers l'âge de 10 ans. Et ensuite, on suit la filière sur un sport-études d'abord départemental, ensuite régional, puis ensuite national. De me retrouver à Bercy, ça me rappelle énormément de souvenirs, car j'ai quand même participé à deux compétitions ici. Et à la corde, en sachant c'est une compétition très importante, très forte et très puissante. Quand on est dans le souterrain, c'est une concentration extrême en fait. On répète surtout le mouvement le plus difficile ou l'exercice qui nous fait le plus peur. C'est là où on risque de chuter ou de rater. Le public, on l'ignore complètement. On fait abstraction de tout, on pense à rien du tout. On pense uniquement à ce qu'on doit faire, uniquement à son mouvement. À la barre fixe, Samuel Dumont, France. Et Dom, Adrien Biesté, Hongrie. Quand on prend l'arçon, en fait, on se parle. On se parle sans arrêt. Par exemple, si la grosse difficulté est partie, on se dit, bon, ça y est, là, elle est passée. Maintenant, je pense à la fin où j'ai encore ce passage-là qui est difficile. Il faut que je fasse attention. On est en train de parler sans arrêt, de se parler sans arrêt. C'est fini, ben là on ressent un petit peu, l'atmosphère de la salle. On est un peu sur un nuage en fait quand on est sur les agrès, quand on est en train de réaliser l'exercice. Et quand on arrive, on revient les pieds sur terre. Après une carrière de gym, c'est difficile d'arrêter net, brut. Quand on passe de 20 à 25 heures d'entraînement à 0 heure, c'est pas possible. On ressent le besoin de bouger, le besoin de se dépenser. Donc je m'entraîne toujours un petit peu, ça me fait plaisir, ça me... Plus je reste toujours en contact avec les gyms aussi. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi qui fais beaucoup de gymnastique, j'adore le livre La Gymnastique. Moi aussi. On y voit tout le travail du gymnaste. Toutes les figures sont bien expliquées. Avec des photos de gymnastes qui décomposent les mouvements. Après, tu pourras t'améliorer et faire de belles figures. Va vite l'acheter. Ça s'appelle La Gymnastique, c'est écrit par Jean Jackman. C'est édité par Hachette Jeunesse et ça coûte 75 francs. Tu veux tout savoir sur la GRS, un seul livre, La Gymnastique Rythmique et Sportive. C'est formidable, on y apprend toute la technique corporelle. Et la technique aux engins. Comme la corde, les massues, les rubans. C'est plein de conseils pour s'entraîner. Après, tu pourras vraiment travailler et devenir sûrement passionné. Ça s'appelle La Gymnastique Rythmique et Sportive. C'est écrit par Monique Béra. C'est publié aux éditions Milan et ça coûte 120 francs. Thank you.
nul pour 5.